Et yo tout le monde, c'est Maya. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Detroit Become Human. Sur ce, bon visionnage. Ça va aller? On va trouver de l'aide ici. Bientôt, tout ça ne sera plus qu'un mauvais souvenir. On est arrivé. Vous êtes Zlatko? Pourquoi? On m'a dit que vous pouviez nous aider. On vous a mal renseigné. Vous vous êtes trompé d'endroit. Désolé. Attendez! On a vraiment besoin de votre aide. Entrez. Entrez, ne soyez pas timide. Luther, est-ce que tu veux bien prendre les manteaux de ces dames? Oh, n'ayez pas peur de ce grand dadais. Luther est l'un des nombreux androïdes que j'ai aidés. Il me tient compagnie dans cette grande bicoque toute vide. Je vous en prie. Faites comme chez vous. Comment avez-vous entendu parler de moi? Par un androïde. Dans la rue, il a dit que vous pouviez nous aider. Je vois. Une déviante, hein? Et elle? Elle est humaine. Et vous voulez trouver un endroit sûr où vous pourrez commencer une nouvelle vie. Il paraît que le Canada est très agréable à cette époque de l'année. Les paysages magnifiques, les grands espaces. L'air pur, et pas de loi sur les androïdes. L'endroit rêvé pour prendre un nouveau départ. Oui, c'est... c'est exactement ce qu'on veut faire. Bien sûr. Je peux vous aider. Mais d'abord, on doit te débarrasser de ton traceur. Un traceur? Oui. Tous les androïdes sont équipés d'un dispositif qui permet de les localiser en tout temps. Je vais t'enlever le tien, et vous n'aurez plus rien à craindre toutes les deux. Venez, suivez-moi. La petite peut nous attendre dans le salon. Non, elle reste toujours avec moi. Bien sûr. Suivez-moi. Tout mon matériel est au sous-sol. J'aime pas cet endroit, ni cet homme. On y va ?
J'ai un mauvais pressentiment. Alice, on n'a nulle part où aller. On doit lui faire confiance. Excusez-moi pour le bazar. J'avais besoin d'un endroit où cacher mes machines. Retirer les traceurs est illégal, alors j'ai misé sur la discrétion plutôt que le confort. J'espère que la petite n'a pas trop peur. Non. Non, ça va aller. Tant mieux. Si tu veux bien monter là-dessus. Je vais être honnête. Ça va pas être très agréable. Connu, le traceur cesse de fonctionner chez les déviants. C'est pour ça qu'ils sont si durs à localiser. Hein? Du coup, il n'y a vraiment aucune raison d'enlever le tien. Quoi? Mais vous aviez dit que... Ouais, je sais. Les gens croient ce qu'ils veulent. Vous, les déviants, vous êtes si naïfs. Vous venez tous me voir pour que je vous aide, alors... Alors oui, je vous formate, et je vous revends. Ou je vous garde pour mes petites expériences. Non! Non! Je veux pas être formatée, laissez-moi! Kara! Oh! J'avais oublié la gamine. Enferme-la, je m'en occuperai plus tard. Alice! Non, Alice, non! Eh bien, une déviante qui voulait être mère. C'est comme c'est touchant. Et tellement naïf. Il est grand temps de mettre fin à tes souffrances. Voilà ce que c'est que de rêver. Ça se termine toujours de la même façon. Dans les larmes et la déception. Crois-moi. Ça vaut mieux pour toi qu'on efface ta mémoire et que tu ne ressentes plus rien. Plus de douleur. Plus de... d'espoir brisé. Je t'envierai presque. Kara! Oh, pauvre petite Alice. Oh, on dirait que ta maman ne se souvient plus de toi, hein? Oh, elle t'a complètement oublié. Kara, qu'est-ce qui t'arrive? Ah, allez, ça suffit, viens. Ah ah, m'a mordu. Je vais t'apprendre les bonnes manières, sale petite garce. Rejoins-moi dans le salon. Thank you.
maintenant. Oui, Zlatko. J'aurais terminé dans 10 minutes. 8 environ. Après, je verrai ce que je peux faire de la petite. Entendu, Zlatko. Je vous amène la petite dans 10 minutes. Qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que le maître t'a autorisé à venir ici? Il faut toujours obéir au maître. Oui, tout le monde doit lui obéir. Tu ne devrais pas être ici. Tu n'as rien à faire ici. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas me faire du mal? Non. Non. Non, tu ne ferais pas ça. Non. Non, bien sûr que non. Je suis désolé. Au sujet de la petite. Thank you.
Les habitants de Détroit ont assisté ce matin à une incroyable course-poursuite dans les rues de la ville. Luther ? Oui, Zlatko. J'ai terminé. Va chercher la petite. Très bien, Zlatko. Zlatko ! Quoi ? La petite a disparu ! Elle n'a pas pu disparaître comme ça. Elle est forcément quelque part. Bon alors, qu'est-ce que t'attends ? Va la chercher ! Prévenu, hein? Les rêves se terminent toujours par des pleurs. Tu aurais dû m'écouter. Qu'est-ce que tu fais? Pousse-toi de là! Non. Pas cette fois. Allez, pousse-toi, je te dis, ou bien je te tire dessus! Comment oses-tu? Comment oses-tu? Qu'est-ce que vous faites là? Qui vous a laissé sortir? Allez-vous-en! Allez-vous-en! Obéissez, je suis votre maître! Je suis votre maître!
Je ne voulais pas vous faire de mal. Il m'a programmé pour lui obéir. Mais quand j'ai vu la petite risquer sa vie pour te sauver, c'était comme si j'ouvrais les yeux pour la première fois. Je voyais enfin. Je sais que tu n'as aucune raison de me faire confiance après ce que j'ai fait. Mais je connais quelqu'un qui peut vous aider à traverser la frontière. Je peux vous conduire à elle. Je vous protégerai. Toi et la petite. Ok. Je te fais confiance. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Abonnez-vous, mettez des likes et activez la cloche de notification. Ciao tout le monde.